Dans cette vidéo, on va voir comment placer rapidement un anneau d'arrêt ou un circlipse de type extérieur à un arbre. La gorge ou l'enlèvement de matière se fera automatiquement dans l'arbre. Les dimensions seront respectées par rapport aux normes. Et la désignation, par exemple, de l'anneau élastique apparaîtra automatiquement dans les nomenclatures des mises en plan. Dans le placement de l'anneau élastique, on verra apparaître deux jeux de montage. Le premier jeu entre l'anneau élastique et la bague intérieure du roulement, et le deuxième entre l'anneau élastique et la gorge de l'arbre. Pour le placement de l'anneau élastique, on va voir dans cette vidéo qu'il sera demandé de le placer dans un premier temps par rapport à l'axe de l'arbre, puis par rapport à sa surface d'appui, et enfin par rapport à un plan de symétrie selon l'axe de l'arbre. Après avoir ajouté un roulement à une rangée de billes à contact radial, comme on a pu le voir dans une vidéo, on va ajouter maintenant un anneau élastique ou un circlipse extérieur sur sa gauche. Pour ajouter un jeu de montage, je sélectionne le bouton plan, puis cette surface ici, et je vais mettre une valeur de 5 centièmes pour assurer un jeu de montage, et je fais OK. À gauche dans l'arbre du modèle, je peux renommer avec un clic droit et écrire jeu montage par exemple. Je vais maintenant, avec ce bouton, cocher cette case pour afficher toutes les références et placer facilement l'anneau élastique. Avec le bouton fonction utilisateur, je choisis le fichier montage circlipse extérieur. Je fais ouvrir et je choisis un diamètre de 20 mm pour l'anneau élastique. Je fais ouvrir. Je coche cette case ici pour me donner la possibilité de pouvoir modifier des fonctions plus tard dans ce qui sera placé à l'écran. Et je fais OK. Puis je vais sélectionner l'axe de l'arbre. Donc avec un clic gauche à l'écran, je sélectionne cet axe-là, par exemple. Puis il me demande la surface d'appui, donc je vais sélectionner le plan qui a été créé précédemment. Et enfin, le plan de symétrie du circlipse selon l'axe de l'arbre, donc qui correspond à ce plan de coupe. Sous l'onglet Intersection, on va décocher Mise à jour automatique et cocher la case Intersection avancée, de telle manière à bien définir les pièces dans lesquelles il doit y avoir un enlèvement de matière automatique. Je choisis ici Niveau pièces. Avec un clic droit, je fais Enlever la sélection automatique et je vais, avec un clic gauche à l'écran, sélectionner l'arbre. Je coche la case Propagation et je valide cette fenêtre. Je vous conseille de bien régénérer votre assemblage pour avoir une représentation correcte à l'écran. Et donc on voit ici que le circlipse a été bien monté dans l'assemblage.